à tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action. Ça fait un petit temps que j'ai pas tourné de vidéo action et pourtant j'y suis allée plusieurs fois, mais voilà, pas le temps de faire des vidéos, donc du coup j'ai stocké tout ça et je vais vous faire des vidéos un petit peu par un petit peu, ça sera plus agréable pour vous. Donc en premier, on va parler fausses plantes. Je pense que vous verrez la vidéo en premier. J'ai fait des achats sur le site de VPS pour faire une jolie composition sur la tombe de mon père. Il me fallait des petites plantes pour agrémenter ce que j'ai acheté. Donc du coup j'ai pris ça. Alors cette petite plante là, donc vous voyez, elle est, c'est une fausse petite plante. Je sais pas si je me servirai de tout, mais voilà, pour être sûr qu'il manque rien. Donc il y a elle. Ensuite il y a celle-ci, bon les trucs roses, non ça je les jarterai, mais voilà les petites plastiques vertes là. Et puis deux fausses succulentes, alors même les petits pots ils sont mignons, donc eux je les récupérerai, ils serviront, ça c'est sûr. Voilà, donc deux petites succulentes. Et bien sûr pour aller avec tout ça, des petites pierres comme ça, et j'avais acheté aussi du sable, des petites pierres et compagnie, il y avait trois choses différentes l'année dernière, je m'en suis pas encore servi. Donc du coup voilà, j'ai de quoi faire. Puis du fil à lier vert comme ceci, à mon avis ça pourra aussi servir. Donc là je pense que je suis parée, je vais faire ça avec ma tante et je vous montrerai le résultat, je ferai une vidéo consacrée à ce projet. Ensuite je pioche au hasard et je vous dis. Donc une petite boîte comme ça compartimentée parce que on a toujours plein de petites choses à ranger à la maison, donc mon mari a pris cette petite boîte là parce qu'il a toujours plein de matos différents. Ensuite pour le barbecue, alors c'est une poêle faite pour ça, voilà, elle fait 30 cm de diamètre et elle se présente comme ceci. Donc ils appellent ça poêle à barbecue, tout simplement. Hâte de tester, on a fait du barbecue, mais là le temps est repassé à la grisaille, donc j'espère que le week-end prochain, on pourra la tester. Pris du papier cadeau parce que ça, voilà, chez Action il est très bien. Évitez quand même de prendre celui en espèce de qui ressemble un peu à de l'aluminium argenté comme ça, parce qu'il n'est pas évident à couper. Là c'est un craft avec un motif comme ça et on a déjà eu équivalent et il est très facile d'utilisation, il tient bien, donc voilà. Ensuite un pilulier pour moi, alors là voilà, la boîte elle est comme ça. Mais à l'intérieur, elle se présente comme ceci. C'est pour mettre toutes mes gélules, mes compléments alimentaires, parce que si je ne prépare pas à l'avance, je pense pas à les prendre. Et surtout d'ouvrir toutes les boîtes et tous les petits pots, ça me prend la tête plus qu'autre chose. Et puis après, je ne sais plus qui j'ai pris et tout. Donc comme ça, je préparerai mes petites gélules, mes petits compléments alimentaires, et ça sera beaucoup plus simple. Mon mari a repris un chargeur, donc ils appellent ça du USB pour la voiture. Donc on peut charger deux ports USB en même temps. Voilà, on se présente comme ça. On en avait eu un chez Action l'année dernière. Il a bien fonctionné, mais là il est un peu naze. Donc du coup, on en a racheté un. J'ai pris des petites serviettes comme ça pour cet été. Je les trouve hyper fraîches, hyper. Voilà, c'est la tendance, les ananas et tout. Donc c'est très fun. J'aime beaucoup. On a repris, alors mon mari a repris des bonbons, donc c'est des fraises géantes, comme ceci. Donc voilà, c'est des gros bonbons comme ça. Ils sentent hyper bon la fraise. Moi je suis pas fan de bonbons, je suis une grêle à sucre, mais les bonbons, ça m'attire pas spécialement. Mais voilà, lui il aime bien ça. Et puis mon deuxième, c'est aussi une gamelle à sucre. Donc les bonbons, ils seront dévorés, ça c'est sûr. Pour les tiques, parce que malheureusement, il y en a quand même pas mal. Donc c'est une pince à tiques, comme ceci. Les tiques. Donne la maladie de Lyme, donc faire très attention quand vous vous faites piquer, et si vous voyez tout de suite que vous avez des grosses taches rouges qui apparaissent, allez au médecin, ayez les antibiotiques, parce que la maladie de Lyme c'est une très très grave maladie et il y a quand même beaucoup beaucoup de cas en France. Aux États-Unis c'est la deuxième maladie la plus après le sida, donc voilà, donc c'est bien de retirer une tique, mais après faut pas oublier si voilà d'aller au médecin pour avoir le traitement antibiotique, c'est très grave.
que la maladie de Lyme touche le cerveau, les articulations et aussi le cœur. Donc c'est voilà, c'est très très grave. Ensuite, pour les WC, bah, une brosse à WC et porte, voilà, elle est comme ça, elle est toute jolie. Il y avait plusieurs coloris. La mienne est vieille, il fallait vraiment la changer, donc on a choisi celle-ci. Pour les garçons, ça faisait un petit temps que j'en avais pas trouvé. C'est des petites décorations à faire avec les petits carrés en mousse autocollant. Vous les mettez ben, voilà, sur les zones comme ça. C'est hyper joli. Il y a eu un temps chez Action, ils nous en sortaient beaucoup. Il y avait eu les princesses Disney, il y avait eu Cars, Plains, Mickey. De toute façon, tous ceux qui existaient, je les avais tous pris. J'en avais eu chez Jiffy aussi, je crois. Donc là, quand j'en ai vu, j'ai dit, oh chouette, choupi, je vais leur en reprendre parce que ça, c'est vraiment une activité qui est hyper sympa à faire. Et le deuxième, bah, ce sera pour mettre dans ma chambre parce que oui, moi j'aime bien. J'ai dit aux garçons, vous faites quelque chose et puis après, voilà, ils sont contents que je l'accroche. Donc le deuxième, bah, c'est Cendrillon. C'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est plus pailleté, l'autre est métallisé et celui-ci est pailleté. Donc voilà, ils me feront ça et ils seront contents. Et ça, pour les petits, ça aide la motricité pour les mains. C'est voilà, ça les aide beaucoup. Donc ça, en plus, ça fait quelque chose de joli à la fin. Donc que demander de plus? Pour mon mari, il s'est trouvé deux petits polos comme ça. Donc le premier est comme ceci. Plutôt sympa, même j'aime bien la teinte. Et le deuxième, il en avait eu un de polo comme ça, mais pas de chez Action, il y a hyper longtemps, mais bon, forcément, on ne s'use que si l'on s'en sert, donc là, il était foutu. Et vraiment, avec un. Donc, c'est blanc, c'est rayé blanc, bleu ciel, et une rayure noire aussi. Donc, ça, franchement, super chouette, super contente parce que chez Action, les fringues, elles sont très bien, elles coûtent vraiment pas cher, elles résistent bien dans le temps, donc ça, c'est super. Pour les garçons, je leur ai pris. Alors là, j'ai Dory, mais le McQueen est quelque part. Les garçons s'en sont servis. Ils ont déjà testé le McQueen. Donc, ce sont des grands coloriages comme ceci. Déjà, la couverture, elle est juste trop belle. À l'intérieur, vous avez une page avec plein d'autocollants. Comme ça. Et le reste, ce sont des coloriages. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 16 coloriages à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et donc voilà un petit peu le type de coloriage que vous allez pouvoir retrouver au dos. Vous en avez aussi là, comme ça pourra vous donner un petit peu une idée de ce qui se trouve dans ces albums-là. Moi, mes garçons aiment bien faire du coloriage et puis pour le prix, ça coûtait, ça valait vraiment pas le coup de s'en priver. Toujours pour les garçons, on leur a trouvé, c'est un gros ballon avec une anse comme ceci. Donc il faut le gonfler, il fait 45 cm de diamètre. C'est hyper fun. Mon deuxième grimpe là-dessus. Bah, c'est bon, je suis au cirque avec mon petit clown. Il me fait rire, je vous raconte que ça. Donc voilà, il y a une grosse bouille d'émoticônes dessus. C'est trop trop bon. Donc voilà, à gonfler et il s'amuse avec ça. C'est super fun. La colle, parce que bah, on n'en a jamais assez. Celle-ci est très bien. Comment pour l'école, mon garçon, mon premier en CP, voilà, c'est la colle qui l'a suivi tout au long de l'année. Donc voilà, très très bien cette colle-là. Et pour terminer, je savais même pas qu'ils existaient, je n'avais pas encore vu dans les hauls Action. Si vous me suivez, vous savez que j'aime faire du coloriage pour adultes et aussi du coloriage pour numéro, par numéro. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo, j'essaierai de vous la remettre en petite fiche quelque part, ça remonte à quelques mois déjà. Et là, ils nous ont fait donc coloriage magique extrême. Alors pourquoi extrême? Parce que je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Vous voyez un petit peu la petitesse des cases à colorier. Donc vous avez les numéros et le nuancier de couleurs au dos de l'album. Et ensuite, bah voilà, vous n'avez pas de nuancier de couleurs sur la page, vous voyez? Donc c'est à vous de reprendre un petit papier ou de vous mettre en haut de votre feuille pour remettre les couleurs pour savoir quel numéro correspond à quelle teinte. Donc il y a des petits triangles, il y a des petits carrés, il y a des espèces de formes octogonales. Vous en avez avec des formes un peu plus octogonales comme ceci, voilà, qui sont un petit peu plus grands.
Donc c'est marqué au dos, coloriage magique extrême, livre de coloriage pour adultes, coloriage codé à chiffres et coloriage relaxant pour tout le monde. Chaque des chiffres correspond à une couleur. Donc voilà, à la fin vous avez la solution. J'ai regardé vite fait et franchement les coloriages proposés sont vraiment très très beaux. Ça me fait un petit peu penser à mon livre de coloriage que j'ai. C'est un livre où il y a 30 coloriages à l'intérieur. Justement, ceux que je vous ai montrés avec des formes un petit peu comme ça, un petit peu mosaïque, il y a dans ce grand livre-là, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu un rappel de ce livre de coloriage-là, mais celui-là, j'ai dû payer 1 € ou 2 € grand maximum, donc j'en suis super contente. Le seul regret que je vais avoir, c'est la qualité du papier qui m'a pas l'air très très épaisse, donc avec se méfier avec les feutres, le type de feutre que vous avez utilisé, parce que là, les coloriages sont recto, verso, mais j'ai envie de dire, vu le nombre de coloriages qu'il y a dedans et vu ma collection, si ça vient à transpercer un côté, j'en ferai pas une maladie, parce que si je termine déjà tout ce que j'ai en livre de coloriage à la maison, je pense que ben, je serai à la retraite, ben, vu que je travaille pas, mais mon mari sera à la retraite à ce moment-là, parce que voilà, j'essaye de moins en moins d'en acheter de moins en moins possible, mais voilà, je craque quand même de temps en temps, notamment chez Action, puisqu'ils sont très peu chers. Et donc, il y avait deux numéros, et le deuxième, la couverture, elle est comme ceci. Donc, le premier, c'est un papillon. Voilà, et le deuxième, c'est un cheval. Ils sont vraiment super chouettes, mais attention parce que je vous dis, les cases sont extrêmement petites, donc à faire à la lumière et comment? Pour pas trop s'abîmer les yeux. Et voilà ce qui clôture ce haul Action. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait des petits achats, si vous avez trouvé des petites nouveautés dont je n'ai pas encore parlé. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.